vous signez ça pour qu'il s'empare de l'invention Hope en France. Et qu'il me libère. De Hope France ou bien une structure de Hope au Cameroun. Non, l'invention, puisqu'il s'agit de numérique, donc oui. Elle est aspatiale. Oui, je comprends, l'invention est possédée par quelqu'un. Oui, il y a la propriété intellectuelle. Voilà, la propriété intellectuelle. Est-ce que oui, c'est ça. De quoi s'empare-t-il? S'il peut s'emparer de quoi? Détenu par qui? Il veut d'abord s'emparer de la plateforme, qu'il a d'ailleurs dans des serveurs locaux qu'ils nous ont demandé pour des raisons de gestion de big data sur les particuliers dont je vous parlais, sur les entreprises et sur les institutions, parce que finalement la plateforme brassait des données que même l'État ne pouvait pas avoir. Mmh. Hein, et donc nous comprenions que pour des enjeux stratégiques, il était normal qu'on nous demande d'avoir des serveurs physiques locaux en point CM, mmh. tout comme nous en avions aux États-Unis. Ou en France, ou en Israël, en .com. Mmh. Donc nous avons accepté cela, donc ils se sont emparés des serveurs physiques de la plateforme dont ils avaient déjà les documents techniques, puisque la plateforme a été inaugurée en très grande pompe en présence des membres du gouvernement, mmh. Je veux dire des représentants locaux des organisations internationales, des élus, enfin de la société civile, des médias, tout cela est connu. Ça a été lancé en novembre 2012, en très grande pompe. Donc ça veut dire que c'est cette plateforme dont ils s'approprient ou dont le dessein de la séquestration arbitraire de la tortue est de mettre le représentant légal de Hope en condition de devoir signer des documents qu'il n'aurait pas voulu signer en temps normal. Donc clairement, avec les lettres du ministère de l'économie, avec les publications du Cameroun Tribune ou les sorties du représentant du Cameroun à l'occasion d'un sommet à l'ONU à Genève, nous avons la certitude cette fois-là qu'en réalité il s'agit donc d'un guet-apens et que le but du guet-apens était d'instrumentaliser l'appareil judiciaire, donc vous comprenez pourquoi il y a donc des instructions qui viennent, et c'est là que rentre le rôle du ministère de la Justice. Parce que le ministère de l'économie ne peut pas, lui tout seul, faire tout. Il y a un département qui est dirigé par un collègue, par un autre ministre du gouvernement. Et c'est dans ces conditions que nous comprenons qu'en réalité, de justice, il ne sera rien. Et qu'il y aura une condamnation. Il y en a eu deux par le même juge, d'ailleurs des conditions absolument rocambolesques. Et finalement, ce qui fait que je tombe malade, en fait. Et quand je tombe malade, la presse s'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe parce que il y a une dizaine de rapports médicaux, d'expertise médicale, commandés par eux-mêmes, hein, puisque le détenu n'a pas le pouvoir de décider d'aller à l'hôpital La Quintinia, à l'hôpital général ou à l'hôpital à l'UTCHEM. C'est d'abord le médecin de la prison, qui est quand même un fonctionnaire, qui dit les choses. Le carnet de santé de la prison est disponible. Quand on dit centre de santé, c'est là encore, on est dans l'exagération. C'est vraiment une chambre avec un petit bureau où on a entreposé deux, trois lits. Enfin, si on peut appeler ça lit, ce sont des choses récupérées, mais vraiment, voilà, vraiment extrêmement sommaire. En tout cas, il y a un médecin, au moins, plutôt un bon médecin d'ailleurs, et qui tient au jour le jour l'état de l'évolution de la santé ou de la maladie des détenus, donc y compris de la mienne. Donc, tous les rapports médicaux convergent de manière unanime pour dire deux choses. Rapport commandé par eux-mêmes. Un rapport du ministre de l'économie, du ministre de la Santé. Parce que le garde des Sceaux a commandé à son collègue de la Santé un rapport d'expertise. Ce rapport d'expertise, celui de l'hôpital général le plus grand du pays et même de la région de l'Afrique centrale, celui de la Quintini, celui de l'hôpital à l'UTCHEM et celui dont du médecin de la prison pour ne citer que cela, toutes ces expertises disent unanimement, d'une part, que les conditions de détention sont totalement incompatibles avec ma maladie et mon état de santé. Et deuxièmement... Là, vous avez le côté droit qui est paralysé. Complètement paralysé, j'ai les yeux qui... j'ai tout, je suis vraiment... Je reste alité 24 heures sur 24 et on doit me transporter sur le dos pour que j'aille dans les hypothétiques toilettes turques après que ceux qui me transportent aient fait la queue à ma place. Parce que comme il n'y a que deux toilettes, vous comprenez qu'on fait la queue et qu'on doit trouver un seau d'eau le jour où il y a l'eau. Bon. Et donc, c'est comme ça que ces rapports médicaux disent que la prison est incompatible et disent également que le plateau technique au Cameroun est insusceptible d'adresser les besoins de ma pathologie et que je devrais
bénéficier des soins d'un plateau technique plus élevé qui aurait pu être n'importe où dans le monde au choix du Cameroun, mais qui était mon droit, parce que le droit de la santé est un droit du détenu, du prisonnier, de tout ce que vous voulez. Il est un droit inaliénable. Et donc, malgré les expertises médicales, l'appareil, les autorités judiciaires font la sourde oreille. C'est incroyable, parce que si vous voulez juste rendre justice, enfin, depuis quand voyez-vous qu'en France ou aux États-Unis, le juge décide à la place du médecin? Mais simplement, il y a un dessein qui est un dessein articulé par le tandem de ministres dont je vous ai parlé et qui n'est plus simplement une hypothèse à ce stade-ci, puisque je vous ai parlé des lettres qui ont été écrites et je vous ai aussi parlé des bizarreries, si on peut dire ça simplement comme ça, de la procédure judiciaire avec tous les excès, 12 jours de garde à vue, 4 mandats de détention provisoire là où un seul suffirait, et puis etc., des condamnations par le même juge qui refuse sa récusation et qui est promu dans la foulée de vice-président du tribunal de première instance de Douala à procureur de la capitale économique du Cameroun. Vous suivez mon regard parce que comme poste lucratif, il y a certainement pas mieux. Et donc, c'est dans ces conditions que, au moment où je signe l'ordre, l'injonction qui m'est donnée en échange de ma liberté, donc c'est-à-dire ma liberté plus 15 millions égale l'invention, eh bien, dès qu'il reçoit... 15 millions d'euros. 15 millions d'euros. Donc, 10 milliards de francs CFA environ. Dès qu'ils reçoivent l'offre, ils décident en fait de voir s'il y a moyen de réduire encore le prix que eux m'ont imposé de Nubel. Parce que ce n'est pas notre prix. D'ailleurs, le ministère de l'économie lui-même avait déjà évalué la valeur financière de l'invention technologique dès 2012, c'est-à-dire bien avant que le contentieux ne commence. Avant l'inauguration officielle qui a eu lieu en novembre 2012. Et donc, cette valeur financière, comme ils veulent s'approprier de l'invention sans bourse déliée, sans rien payer, ben en fait, il faut utiliser tous les moyens pour baisser. Et donc, même les 15 millions qu'ils obtiennent avec la prison, il leur semble qu'il faut encore baisser. Donc, ils nomment un comité ad hoc en lui demandant de trouver les voies et moyens de s'approprier de l'invention, etc., etc. Ce comité ad hoc a rendu un rapport qui existe, hein, donc c'est vérifiable. Et en fait, par la suite, ils sont surpris parce que quand la crise me frappe et que je suis paralysé, les ONG rentrent dans la danse. La Commission nationale des droits des libertés et des droits de la CNDHL au Cameroun, qui est un organisme public et non pas privé, une ONG privée, non. Fait une visite en prison et fait des recommandations, écrit au garde des Sceaux, écrit au procureur général, écrit au président de la République et dit la même chose. Donc tout cela est, parce qu'ils font des conférences quand ils ont fait une visite en prison. Et donc tout ce que je dis est nécessairement documenté, on peut le vérifier. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Et donc la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés n'est pas suivie. Les médecins ne sont pas suivis. Alors, d'autres organisations comme SOS Racisme, comme le REDAC, d'autres organisations de défense des droits de l'homme entrent dans la danse et les avocats comprennent qu'il faut monter d'un cran et ils commencent dans les conférences. Et c'est là que le sénateur Jean-Yves Lecomte, le sénateur des Français à l'étranger, se saisit du dossier, je dois dire, d'une manière extrêmement pugnace, parce qu'il mobilise de manière extrêmement remarquable le Quai d'Orsay. Vous savez que c'est lui qui a travaillé notamment dans l'équipe, piloté l'équipe opérationnelle qui a conduit à la libération de Michel Thierry à Tangana, qui est resté 17 ans dans une prison à Yaoundé, dans le camp de Kondengi. Et donc, il reprend le même dispositif qu'il met au service notamment de mon évacuation sanitaire, d'une part, et d'autre part, de la libération de mon ami Maître Lydienne Eyoum. Et il va permettre de mobiliser le Sénat, l'Assemblée nationale française, puisque le président de l'Assemblée va au Cameroun, le Quai d'Orsay, évidemment l'ambassadrice avec qui il va à tous les rendez-vous. Et ils se font rouler, en fait, par le garde des Sceaux, parce qu'il promet mon évacuation sanitaire, mais il ne s'exécute jamais. Et là, la presse s'en est vraiment saisie et elle a fait largement écho. Il y a eu des journaux télévisés dans des grandes chaînes de très très grande écoute qui ont fait état du péril parce que j'étais réellement à l'article de la mort. D'ailleurs,
J'ai vu la mort de mes yeux. Je l'ai même conjuré. J'ignore encore pourquoi aujourd'hui, mais elle n'a pas voulu de moi. Il fut un temps où elle me paraissait la solution la plus raisonnable et que j'avais acceptée. Il ne m'avait pas seulement promis la mort ou la prison à vie, mais il est arrivé à un moment où je trouvais que, finalement, à bien regarder, c'est mieux que ce qui m'arrivait. Et donc, elle m'a donné des vacances, allez savoir pourquoi. Nouveau le niveau de complication, de surprise, puisqu'on va de surprise en cette affaire. Nous avions au départ, soi-disant, enfin, une plainte d'un actionnaire et de quelques créanciers. Mais voilà qu'on se retrouve avec, si j'ai bien compris, une stratégie d'accaparement de votre invention par un État. À quel moment surgit cette stratégie d'accaparement et est-ce qu'on l'utilise pour justifier a posteriori votre arrestation et votre incarcération puisqu'ils viennent négocier avec vous en prison ce montant de qu'on vous livre pour si j'ai bien compris, s'emparer de votre invention? En fait, dans votre question elle-même, puisque vous dites qu'ils viennent négocier en prison, c'est-à-dire que ce n'est pas ex post, ce n'est pas a posteriori. C'est parce que ces dessins existent qu'on a besoin de plaintes pour quand même bien emballer tout ça de manière cosmétique. Mais en vérité, le seul dessin, la seule raison, l'unique que je puis trouver, c'est que le ministère de l'économie, 10 ans, agit pour le compte du gouvernement, c'est écrit, donc je le prends en mot, a estimé que l'invention technologique du groupe Hope était tellement bonne, tellement utile, tellement lucrative, que finalement, ça pouvait être un accident que cela se soit retrouvé dans les mains de notre groupe, ou que votre humble serviteur ait pu en être l'inventeur. Donc ils ont voulu réparer une forme d'injustice de la nature, comme ils disent. Ils ont voulu récupérer les choses parce qu'eux sont les gens qui doivent posséder les choses. Et il y avait comme une forme d'accident naturel pour que cette chose se retrouve dans mes mains. En tout cas, Hope Service et Hope Finance. Et donc ce dessin est la raison unique pour laquelle j'ai été invité au Cameroun en tant que PDG du groupe Hope. C'est la raison pour laquelle j'ai été séquestré et c'est la raison pour laquelle on a utilisé la tortue avant la maladie et pour laquelle, pendant la maladie, on a fait preuve d'un acharnement remarquable dont la constance viendrait à en forcer l'admiration. Si ce n'était pas pour une chose aussi dramatique. Pour qu'on soit aussi obstiné quand on vous explique que quelqu'un va mourir, que vos médecins, vos hôpitaux, des hôpitaux publics, des hôpitaux privés, vous disent tous ensemble de commun concert qu'il y a un péril et que vous jugez, vous n'agissez pas, on peut penser, ou en tout cas, on peut à tout le moins se demander si vous avez les mains libres. Et quand on voit qu'il y a des ministres, un gouvernement derrière, ou des ministres agissant au nom d'un gouvernement qui vous explique qu'ils veulent s'approprier, ils vous le cachent pas, c'est écrit littéralement, et qu'ils veulent le faire de façon autonome et indépendante de vous, alors que jamais l'idée de la cession de la propriété de l'invention à l'État du Cameroun n'avait à aucun moment été à l'ordre du jour. Il était juste question que nous soyons justement des partenaires dans le partenariat public-privé. Le groupe Hope comme privé à sa place, l'État du Cameroun, tel que c'est son discours dans le cadre de la stratégie de la croissance et de l'emploi ou de la politique d'émergence à l'horizon 2035, c'était tout le discours du gouvernement. C'est d'ailleurs ce discours qui vient nous inviter à Paris. Parce que ce sont les autorités camerounaises qui font le tour des capitales européennes pour inviter des investisseurs, y compris des investisseurs de la diaspora. Et c'est dans ce contexte que nous répondons favorablement à l'invitation. Sauf que nous ne nous installons pas pour travailler avec l'État. Notre recherche et développement, parce que nous sommes une entreprise innovante, à l'époque, visait uniquement les particuliers et les entreprises. Donc on s'est installé en 2009 pour travailler sur ces deux cibles. Et c'est seulement à partir de 2010 que nous faisons des contrats avec l'État. Et donc ça a été la raison
qui a motivé les plaintes. On peut comprendre pourquoi les plaintes ont été sur le même motif, pourquoi elles ont été aussi légères, superficielles et fantaisistes, et simplement comprendre pourquoi aucun magistrat, ni procureur, ni juge n'a jamais entendu dire le droit. Il n'y a que ce scénario-là qui explique qu'on ait été, qui rend compte de la cohérence générale du dessein qui a eu lieu au Cameroun entre mai 2010 et février 2015. Alors, vous avez parlé de torture, de faits de torture. Je sais que ça peut, ce n'est pas aisé pour vous de décrire, mais si cela est possible, pouvez-vous dire, même schématiquement, ce que c'est que la torture dans ce que vous appelez non pas une prison, mais un camp? La torture, c'est quand on vous prive de sommeil. Parce que l'être humain est fait pour dormir. Il ne peut pas rester trop longtemps, des jours, sans dormir. Mmh. La torture, c'est quand on vous refuse de prendre une douche quand il fait 40 degrés ou 42 degrés. La torture, c'est quand on ne vous donne pas à manger, alors que c'est eux qui vous ont privé de liberté, c'est-à-dire de votre liberté d'aller et venir, qui vous aurait permis de chercher à manger ou même de commander, le cas échéant. La torture, concrètement, c'est quand on vous met dans une cellule où vous êtes obligé d'être debout et où vous vous mélangez comme des bêtes dans un enclos avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas et alors que vous êtes sous le régime de la présomption d'innocence. La torture, c'est quand un État qui est votre partenaire tout à coup vous arrête pour rien et ne vous reproche même pas d'avoir commencé à troubler à l'ordre public local, mais dit vouloir vous juger pour des faits qui ont eu lieu depuis un temps prescrit par la loi, parce que ce sont des faits datant tous de 2008 ou 2009. J'ai rappelé que c'est le 9 mai 2013 que le guet-apens a commencé à se tangibiliser. Et donc, ça veut dire que cela fait beaucoup plus que 3 ans, qui est le délai de prescription légale dans l'État du Cameroun. C'était aussi le cas en France, qui n'est pas sans lien avec ce droit-là, même s'il y a eu quelques changements récemment. Donc, ce sont des faits commerciaux concernant la personne morale, concernant des Français, concernant une entreprise de droit française, des faits qui ont eu lieu en France, qui sont du ressort des juges français, qui ne sont pas les plus incompétents, mais pour lesquels on a fait 6 heures de voyage pour venir demander aux juridictions camerounaises de juger, et pour lesquels les ministres, le gouvernement qui vous a invité, a oublié que vous êtes un partenaire technique, que vous créez de l'emploi au Cameroun, et donc vous auriez même pu être jugé dans le régime de la liberté. On peut être jugé en étant libre, et si on vous condamne, vous allez en prison. Donc, malgré les garanties de représentation au procès que je pouvais fournir, déjà parce que depuis 2009, nous embauchions à Douala, Yaoundé, à Boya, à Bamenda, parce que l'enjeu financier du contrat avec l'État du Cameroun était en soi une raison suffisante pour que le représentant légal de Hope n'ait pas l'intention ou l'envie particulière de fuir. Et enfin parce que des industriels, des pasteurs, tout ce qu'il y a de plus recommandable, se sont portés volontairement garants pour que je sois jugé en liberté et que ma présence effective au procès soit garantie. Mais la torture, elle devient dramatique et tragique quand vous êtes malade. Normalement, même quand vous avez un adversaire, s'il est par terre et s'il vous reste quelques égards, ou un peu de classe, un peu d'élégance, vous ne le piétinez pas, il est par terre. Donc, vous n'êtes pas seulement séquestré arbitrairement, mais vous êtes hémiplégique, handicapé, disons-le simplement. Tout le côté droit est paralysé. Vous avez les yeux qui sortent, vous avez les médecins, leurs médecins, vous ont prescrit des médicaments qui sont des drogues extrêmement puissantes, simplement pour vous isoler de la douleur, parce qu'elle est atroce. Ce sont leurs médecins qui ont tous prescrit de manière constante et unanime les ordonnances. Et lorsqu'on refuse, ne serait-ce que de vous sortir de la prison, garder votre passeport, et vous, par exemple, vous assigner à la résidence, alors que vous avez les moyens de payer une résidence, même de payer les frais de garde, quand on refuse tout cela, alors que vous êtes malade, alors que le médecin de la prison dit « s'il lui arrive quelque chose, je dégage ma responsabilité médicale »,
pour qu'il y ait cet acharnement, on est dans une intention de nuire. On est dans un traitement inhumain, dans un traitement dégradant. Et lorsque le consul général de France vient faire quasiment un scandale, tape du poing sur la table et obtient le droit d'aller à l'hôpital, au bout de 15 jours, nuitamment, on vient vous dérober de l'hôpital, contre avis médical, pour vous ramener à la prison. Et pendant que vous êtes en prison, on s'assure que rien ne vous soit facilité, parce que vous devez encore vous faire transporter en payant des gens pour vous amener aux toilettes. Vous devez faire vider vos reins dans des bouteilles. En fait, vous devez être comme... Vous êtes un animal, vous êtes une bête. Vous n'êtes rien. Vous êtes exclu de la famille humaine. Vous n'êtes plus un être humain. Ce n'est pas la déshumanisation, c'est la fin de l'humanité. Donc la torture, telle que la Convention de New York contre la torture et telle que le dictionnaire, le Larousse par exemple, le définissent, en fait ce sont des actions, soit physiques, soit psychologiques, soit les deux, qui tendent en fait à remettre en question vos droits fondamentaux, notamment le droit à la santé, le droit à la vie. Quand on vous agresse, c'est votre droit à la vie, notamment le sommeil et toutes les choses que j'ai citées. Et lorsque vous êtes malade, quand on vous ramène en prison contre avis médical, vous vous demandez, si c'est toujours pour l'escroquerie de quelques centaines de milliers d'euros, parce que quel est l'intérêt si vous mourrez, au cas où l'objectif de la justice est de récupérer l'argent des créanciers pour leur rembourser, ou des actionnaires. Si c'est ça l'objectif, là on est dans un paradoxe. On est même dans une contradiction, pour le dire franchement. Et donc, mais il y a d'autres actes de torture qui sont dus plutôt aux détenus. Et ceux-là sont un peu moins pudiques. Et je crois qu'il s'y est peut-être de le réserver à un livre qui est en cours. Mais sachez que lorsque des gens rentrent dans le camp de Nubel, parfois ils ressortent, eux qui étaient hétérosexuels, ils ressortent homosexuels ou bisexuels. Je ne porte pas un jugement de valeur. Je décris un choix qu'ils font contre leur volonté. Un choix de survie, sous la pression des gangs. Lorsque on entre dans le camp de Nubel, on peut sortir voleur ou trafiquant. On peut sortir enceinte si on est une femme. On peut sortir sans jugement. Mais quand on entre là-bas, on peut surtout avoir la chance si on n'est pas violé. Pas forcément par, si vous êtes hétérosexuel, pas par le sexe contraire forcément. Justement, puisqu'il s'agit de vous humilier, puisqu'il s'agit de vous excommunier de la famille humaine, si vous êtes hétérosexuel, si vous êtes un homme, il vaut mieux qu'on vous envoie un homme. Et si vous êtes une femme, il vaut mieux qu'on vous envoie une femme. Donc, vous voyez, le viol n'est pas un acte d'assouvissement d'un désir sexuel. Le viol est une arme de destruction massive d'une personne ou d'une personnalité. Le viol est courant. Il ne concerne pas que les adultes. Il concerne aussi les mineurs. Il ne concerne pas que les jeunes ou les gens matures. Il concerne même des vieux. Et quand vous voyez des dames d'un certain âge qui auraient pu être vos mamans, quand vous voyez des hommes de 70 ans qui, parce que vous êtes français, qui, parce qu'ils vous prêtent quelques considérations, quelques égards, viennent vous expliquer que vous devez leur remettre d'urgence 35 000 francs pour qu'ils ne soient plus à la prison dans 2 ou 3 jours et vous expliquent parce qu'ils veulent absolument être certains que vous avez bien compris de quoi il est question et vous décrivent un viol, vous ne pouvez pas être le même. Même ça, c'est de la torture pour vous, pas seulement pour lui qui a suivi. Parce que personne n'est formé pour voir quelqu'un qui a l'âge de son père décrire. On n'est pas formé pour voir l'extrême faiblesse quand c'est l'acte gratuit et délibéré d'autres êtres humains. Et ceux autres détenus qui vous agressent en prison, ce n'est pas toujours leur action. Parfois, ils sont payés. Ou parfois, c'est une instruction d'un garde prisonnier. Parce que les gardes prisonniers ne sont pas très forts en prison. Je vous ai dit qu'ils co-dirigent la prison avec les gants. Donc, ce sont les manières des gants. Mais comme les gants sont des détenus, toute la question est que toute plainte que vous déposez, soit ne va jamais être enregistrée par le régisseur, comme la loi le lui impose pourtant, soit alors ça va être enregistré, mais au niveau du procureur, ça ne va jamais aller loin.
On est dans un pays où les gens sont financièrement indigents et d'ailleurs où ils ne croient pas beaucoup en l'appareil judiciaire, tellement les actions sont souvent arbitraires, que ce genre d'actes remonte rarement à la surface. Et ceux qui ont été les victimes, après la prison, ont honte d'en parler. Moi, je veux tenter de trouver des mots pour que quelques personnes aient une paire de lunettes pour lorgner à travers les barbelés de ce camp, pour avoir une idée de ce qui s'y passe. Parce que je crois que à mettre les problèmes sous le paillasson, involontairement, nous nous sommes rendus complices de l'émergence d'un monstre. Alors, il y a quelque chose de curieux encore dans cette histoire qui en contient beaucoup de curiosité. On a entendu dire que M. Patrice Mboma est venu vous voir en prison. Est-ce que c'est vrai? Vous souvenez-vous de la date et de comment ça s'est passé, si c'est vrai? Oui, d'abord, il est venu me voir déjà pour commencer en cellule. Décrivons plutôt ce cas-là parce que oui, ça a été enregistré puisque un officier de police en est énervé. Vous dites pendant les 12 jours, c'est ça? Oui. Oui. Il est venu puisqu'il, je vous ai dit qu'il a fait le déplacement. Oui. Donc après la confrontation, oui. Chose interdite, il a eu le droit de venir s'adresser à moi. Bon, je suis supposé isolé de la société. Oui. Pour le protéger ou pour protéger le. Bon, voilà. Oui, oui. Il est venu et il m'a expliqué, Jeff, nous avons tout verrouillé. Nous avons tout verrouillé. Jeff, c'est vous, Jean-Emmanuel Foumbi. Oui. Il y a une seule personne dans ce pays qui peut vous libérer. C'est le PR, le président de la République. C'est Popo là en personne. En dessous de lui, nous avons tout verrouillé. Ce qui est d'ailleurs pas faux. J'ai pu mesurer à quel point tout était verrouillé. Au niveau des juges, du siège, au niveau des procureurs, au niveau des officiers de police judiciaire, mais aussi au niveau des actes ministériels, quand même exotiques, quoi, ou de la prison où on vous explique que vous pourriez signer des actes valables, alors que c'est une pression, un chantage pour, contre votre liberté qui n'aurait jamais dû être entravée. Et il a aussi raison. Il peut être bon, pas qu'en football, parce que c'était une prophétie. Parce que finalement, c'est le président de la République qui a ordonné au garde des Sceaux ma libération après une entrevue avec l'Élysée. On va arriver à ça. On va arriver à ça tout à l'heure. Je voudrais maintenant qu'on fasse un petit résumé, si vous permettez. Donc, et pour cela, rien ne remplace la chronologie. Vous êtes arrêté, si j'ai bien compris, le 9 mai 2013. Vous passez 12 jours en cellule. Et puis, on vous envoie en mandat de détention provisoire. Mandat. Puis, on me juge, on me condamne deux fois. Ah, voilà. On vous a jugé, oui. Parlez-nous de vos jugements. Là aussi, il faut dire les choses. Parce que la justice, elle est rendue au nom du peuple camerounais ou français ou béninois, au nom du peuple. En l'occurrence, celle-ci a pu, ou est réputée avoir été rendue au nom du peuple camerounais. Donc je peux tout à fait vous dire quel juge a rendu, parce qu'il a travaillé au nom du peuple camerounais. C'est pour que si le peuple camerounais considérait que ça ne peut pas être en son nom, que ça ne devrait pas être en son nom, moi j'apprécierais sa réaction et j'aviserais. En fait, le juge, l'excellent, l'incomparable Jean-Paul Kiam, pour pas le nommer, alors vice-président du tribunal de première instance de Douala, entre-temps, par le mérite de ses exploits passés procureur de la République de Douala, c'est lui qui, par deux fois, en l'espace de 4 semaines, m'a condamné, respectivement, à 18 mois de prison ferme et à 24 mois de prison ferme, s'agissant d'un juge qui présidait donc alors un tribunal pour lequel nous l'avions récusé, donc il est passé outre sa récusation, une récusation que nous avons signalée au ministère de la Justice avec des traces, et qui nous a d'ailleurs promis que c'était impossible qu'un juge passe outre, qui vient de juger quelqu'un. Dans la deuxième procédure où on me condamne à 24 mois, il reçoit comme témoin principal le plaignant de la première procédure en 4 semaines. Dans la condamnation à 24 mois,
C'est une entreprise qui s'appelle Logis SA, très honnêtement, que je ne connais pas bien, dont le représentant légal s'appelle Martin Yamsi. Je le verrai aujourd'hui, je le saluerai puisque je ne le connais pas physiquement, encore aujourd'hui. Donc c'est lui en fait qui vient déposer, il dit qu'il y a une facture que l'entreprise Hope n'aurait pas payée. Une facture qui n'est pas signée, de personne, qui n'est pas déchargée, une facture complètement inconventionnelle. Bon, à supposer même que ce soit une facture, personne ne peut faire la prison pour la facture. Et d'ailleurs, s'il fallait faire la prison, il faut condamner Hope. Moi, je n'ai pas personnellement traité avec Logis SA, ni encore moins avec M. Martin Yamsi. Pourtant, sans enquête, sans investigation, il a déposé une plainte pour escroquerie, comme tous les autres, et cela m'a valu 2 ans de condamnation, avec le témoignage du premier plaignant que je nomme Dieudonné Kengoum. Parce que les plaignants, c'est Dieudonné Kengoum, Roger Nono, Patrick Mboma, Carlos Idriss Kameni et enfin Martin Yamsi pour le compte de la société Logis SA. Ça vous donne les 5 plaintes, mais 2 des plaintes, celles de monsieur, des footballeurs, dont de monsieur Kameni et de monsieur Mboma, ont été jumelées et transférées au tribunal de grande instance parce qu'il fallait être sûr de criminaliser. Donc ils ont porté plainte pour un délit, l'escroquerie. Le tarif, c'est 3 ans au maximum. Et le procureur, dans son zèle, parce qu'il fallait quand même plaire au garde des Sceaux. Le garde des Sceaux, c'est un épouvantail. Il est juste là depuis 30 ans, 32 ans. C'est pas beaucoup, quoi, 32 ans. Il est là. Donc, allez être juge ou magistrat, et il est responsable de votre nomination, de la promotion dans votre carrière. Donc, évidemment, il a fait du zèle, le procureur. Il a requalifié l'escroquerie dont Kameni et Mboma n'avaient pas été assez ambitieux en escroquerie aggravée. Par ailleurs, une infraction qu'on ne trouve pas dans le droit français. Parce que les faits ayant eu lieu en France, quand bien même on m'aurait jugé au Cameroun, il lui fallut le faire avec le droit français, comme le disaient d'ailleurs les contrats. Voilà. Donc c'est une infraction inexistante. On peut condamner personne pour une infraction qui n'existe pas dans le droit. Parce que les condamnations pénales répondent à des descriptions extrêmement précises. Donc ces condamnations elles-mêmes sont bizarres, elles sont étranges, elles sont historiques en ce que il s'agit de faits manifestement commerciaux pour lesquels les juridictions camerounaises n'avaient pas compétence, mais qu'elles ont décidé de juger et elles ne pouvaient aller pousser le zèle à l'extrême que parce qu'il y avait un intérêt, et l'intérêt était ici au moins le donneur d'ordre qui se trouvait être le tandem des ministres, les ministres de l'économie et de la justice.